dans la salle de bain. Extérieur, fin du jour, rue. Jeanne et Georgia marchent dans la rue. Leur rythme est lent, elles ont l'air épuisées. Georgia tient dans ses bras un grand sac qui contient des vêtements de bébé donnés par Nour et Adèle. Le couple met du temps avant de se parler. On l'embrassera sur la bouche, nous. Je sais pas. Tu crois qu'on reniflera la couche aussi? Jeanne hausse les épaules. Elle poursuit en silence. Mais pourquoi elle me raconte qu'elle a eu la chatte explosée? C'est monstrueux de faire ça. Mais on sait vraiment pas faire avec les enfants, non? Faudrait les revoir, on pourrait s'entraîner. Jamais je les revois avant d'accoucher. Ni elle, ni ses problèmes de périnée, ni ses gosses. Quand j'ai vu le plus petit écraser sa compote sur le mur, je me suis dit que je voulais avoir des jeux. Mais rigole pas, c'est trop tard en fait. On va avoir un enfant en fait. Un enfant qui sera là tout le temps, tous les jours. Georgia ne trouve rien à répondre. La question de Jeanne résonne pour elle aussi. Intérieur jour, wagon métro. Dans le wagon d'un métro,